Oui, vous me signalez même pourquoi. Et que j'ai mis la musique. Tu as vu, je n'ai même pas mis la musique aujourd'hui. Hein. Je n'ai aucune musique, je ne bois même pas, je ne fais rien. Vous signalez parce que tout ce que je dis, j'ai raison. Et voilà. Vous signalez pas que vous ne mettez pas les. De toute façon, vous mettez le cœur ou pas. La honte peut vous tuer. Frère Lili peut régner sur la toile seule. La honte, puisqu'elle dit qu'elle a beaucoup de travail pour la table. Mon imbécile, tu vas. Tu as travaillé ou pour la table? Quand? Tu peux travailler pour la canne, toi. Tu as travaillé ou pour la canne? Puisqu'elle dit que oui, elle a travaillé pour la canne. Les pleurs du monde de ça. Oh, et ton fils, c'est ton fils qui t'a fait venir au Cameroun. Oui. Pas que t'as fait venir ta lesbienne avec la fille avec qui tu manges la lesbienne là. La lesbienne antillaise là qui t'a fait venir au Cameroun. Et puis, là-bas au Cameroun, tu as soupiré tellement qu'on t'a envoyé les billets VIP. Regarde-moi les gens comme ça. Et je dis que vous et moi, toi, vous deux filles, Babine Kessi, je vais vous montrer que je suis une fille bleue à Oussa. Attention, hein. Je suis la fille d'Amadou Gadjé qui a baisé avec ma mère une nuit et qui l'a abandonnée. C'est ce que vous avez dit, non? C'est là. Ici. J'ai toutes les preuves. Regarde-toi. Regarde-moi. Moi, je marche en route. Was, 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 was. Je suis en route. Was, was, was. Chaque jour, chaque temps. On me voit. Tu te caches pourquoi? Parce que ce que tu as fait, ma. Et tu crois que tu appelles Marie Christine Bobouze. Tu dis que, hein, voilà, vous choyez. Elle a mis la vidéo de Nathalie Boudji qui m'a cherché. Tout ça. Pourquoi me cherche? Je m'en fous. Nathalie Boudji qui m'a aidé. Si elle veut continuer à m'aider, elle va continuer à m'aider. C'est moi qui ai mis sa photo chez Antoine Bachot. C'est moi. Parce que tu me cherches comme là. Tu me cherches comme là. Je ne sais pas. Hein. La torche comme un souris cherche le fromage. Pour voler le fromage. Parce que tu vas voler ce que j'ai. Mais le bon Dieu, là, je ne volerai jamais. Je n'ai jamais rien fait. Je t'ai aidé. Je t'ai tendu la main. Il fallait me dire qui tu étais. Et ton travail. Et le but de ton travail. Tu me cherches comme la souris cherche le fromage pour voler le fromage. Avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Je suis là. I am here. Tu as fauté. Mes photos ne sont sorties. À Facebook. C'est toi. Et tu m'as dit que c'était toi. Ah, je vais vous montrer toi, Natacha de Monaco. Tu es parti appeler. Tu crois que j'ai peur de Madame Nathalie Modiki? C'est une soeur camerounaise qui, je ne la connaissais pas, qui a voulu bien nous recevoir dans son bureau. Ah, bah oui. Donc, si elle veut continuer à m'aider, elle ne veut pas m'aider. Ce n'est pas grave. Je suis une belle femme. J'ai les seins debout, j'ai mon ventre qui va s'aplatir bientôt, j'ai mon petit cul, je veux vendre mes fesses et puis je veux devenir aussi riche. Moi je ne cherche pas un homme. Je ne cherche pas pour faire la prostitution. Moi je cherche un homme, mon pauvre sel. On va aller au bateau. Je vais me marier dans un bateau. Tu ne cherches pas à être milliardaire. Je cherche la stabilité dans ma vie. Et le bon Dieu va m'aider. Si ce n'est pas mon accord que je trouve ma part de même dans les trains. Tu peux trouver ma part. Même en bas de chez moi, quand ils viennent, j'ai toutes les poubelles pour trouver ma part de milliardaire. Les milliardaires sont cachés partout dans ce monde. On ne sait pas qui est milliardaire et qui n'est pas milliardaire. Vous m'attendez. Tu as sorti mes photos nues. C'est bien. Oui. Parce que tu sais que fait ça. J'ai le temps. Mais c'est ce que toi et moi, c'est Balata. Balata! Je vais aller au Cameroun. On m'a porté plainte au Cameroun. Je m'en vais au Cameroun. Est-ce que c'est un problème? C'est mon pays, non? Je suis I am the Cameroonian woman. Voici mon passeport. Moi, je marche avec tout. Car les séjours ne vont rien à Monaco. C'est le passeport qui est important. Qu'est-ce que c'est ça? Voici ma carte d'identité camerounaise. Et je ne veux rien retourner. C'est tout. Quand vous partez dans un pays étranger, vous avez vos papiers. Voici ma part ici. Je ne suis pas française. Mais au moins, je marche avec mon passeport. Donc, pour te dire que comme je suis ici avec une grande dame qui vient me rendre visite et tout, je vais vous laisser. Mais sache que, Lolo, ce que tu as fait. Oui, ma page va disparaître. Ma page disparaît, ça fait quoi? Maman, vous savez, je ne suis pas. Comment dire? Que ma page disparaît, ça fait quoi? Que ma page disparaît, au moins. Je vais marquer l'histoire de Facebook. Si ma page disparaît, ça veut dire que vous êtes nombreux à vouloir que ma page disparaît. Parce que je vous dépasse en tout. Je me bats dans ma vie.
Et l'histoire est que c'est moi qui a fait venir Nono Nfunja au Cameroun. Mais elle ne m'a jamais remercié. Elle a remercié les petits gens des maniocs. Tu veux pas qu'on veut pas que tu disparaisses? Que tu restes dans le noir? Tu vas rester dans le noir tout à l'heure parce que tu n'es pas une famille qui. On me parle fort devant moi. Je me demande si tu es qui quand je dis que je me cache, je me gâte. Tu penses que moi je vais me contacter d'un kebab? Je demande le kebab, on ne veut pas le kebab. Oh, me donne quoi? Je demande encore la bière, il n'y a pas la bière. Tu veux que je fasse quoi? Que je me taise? Je suis comme au Cameroun, merde. Au Cameroun, il y a les parents, les, tout ça, je ne sais pas. Je répète la même chose. Donc, je vous en supplie. Quand vous fermez mes comptes, bloquez mes comptes, fermez mes comptes, bannissez-moi à Facebook. Ce n'est pas clair. Au moins, je veux passer les bons moments à Facebook. Et je suis passé pour vous dire les vérités à Facebook. M'attendez, je n'ai pas peur de vous. Vous allez fabriquer les histoires. La seule personne que vous tuez, c'est la veuve joyeuse. Pourquoi moi? Non seulement je suis veuve, je suis pauvre, je suis malheureuse. C'est toujours la malheureuse. Et une malheureuse, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même bizarre dans Facebook. Pourquoi moi? Pourquoi vous intéressez à moi? Parce que moi, j'estime que quand tu es déjà malheureuse, tu penses que moi, je veux regarder un clocher en route. Ah ben, dis donc. Ben non. Du coup, j'ai peut-être 2 euros, mais 1 euro, bien 2 centimes, 20 centimes. Si j'ai le cœur, ce jour-là, je donnerai à ce clochard-là. Mais, comme le clochard ne me sert à rien, je passe ma route. Mais je suis étonné. La plus malheureuse, la plus crevale, la plus pauvre. Celle qui a tué son mari avec la hache, j'ai égorgé mon mari, j'ai tué mon mari, j'ai rien tout entendu ici. Je suis toujours là. Vous inquiétez de moi, vous vous occupez de moi, parce que j'ai un gnac que vous ne pouvez pas avoir. Les gens qui ne savent pas se tenir devant, vous ne savez pas vous tenir devant les gens. Mais il faut dire non. Je quitte le Cameroun ici pour manger des trucs au pays. Ça va pas la tête. Je demande la bière, il n'y a pas la bière dans mon pays. Il faut se fâcher. Je ne suis pas une mauvaise personne. Vous m'avez vu dans une catégorie que je suis haineuse. Et moi, je dis que les Bamnéké, j'ai 2 Bamnéké que j'aime pas. Kankam et Loulou. Kankam encore, même encore. Ça va. Parce qu'elle ne sait pas quel jour elle joue. Comme la mienne, elle veut prendre le rôle de la certaine touche pour dire comme quoi. Elle a travaillé pour la Kalimouf. Tu es. Les gens qui sont venus te chasser du Cameroun, tu es dedans. Maintenant, tu es au Cameroun, tu veux qu'on parle de toi. Mais là, maintenant, qui on voit? Mais moi, je retourne au Cameroun. Je retourne au Cameroun. Le Cameroun, c'est mon pays. Si on me dit qu'on m'arrête, on m'arrête au Cameroun que j'ai une plainte. Maman, je m'en vais au commissariat, je suis camerounaise. Et on me dit que tu as dit ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Avec raison, je vais aller m'assurer avant qu'on me dise que j'ai les droits. Les Camerounais ne parlent plus de la vraie canne. On parle que des prostituées d'État. Des vendeuses de piments des États. Et on parle de moi. Et de Marie-Christine. Mais quoi, Marie-Christine, mon civil a changé pour pouvoir aller chez les Bamnéké. C'est ton problème. Vas-y avec eux. Mais sache que je resterai ta soeur. Et je ne te clasherai jamais. Mais fais attention à toi. Parce que Nono Nfunja passe son temps à t'appeler dans le noir. Pour te mettre dans le cerveau. Mon nom est Nyangwe. Tu crois que c'est le nom pour dire le numéro là? Allez t'appeler, allez m'appeler. Non. Allez appeler Fleur de Lille, appeler ses soeurs Bamnéké. Et Fleur de Lille, pareil. On vient te dire des choses. Toi, tu crois? Tu parles avec elle. C'est une femme qui vient d'ailleurs. Nous, on est tous Camerounais, mais on vient de quelque part. Mais vous devez dire, en ce moment, moi je vous dis que, il y a 2 Bamnéké, là, qu'on appelle le Fleur de Lille et Loulou. Les 2 là, 2 opportunistes, 2 hypocrites. Quand même, encore, ça va encore pour elle, parce que je ne sais même pas pourquoi ça va pour elle. Parce qu'elle elle est une salle déchue. Elle cherchait sa part de route, elle fait partout pour qu'on les ait. On t'interdit dans une chaîne de télévision où on nous a. Tu travailles quoi? Tu as quel petit gré en France? Qui es-tu? Une prostituée de bas étage? Une basse de basse cour qui tue les valises partout? Tu parles de qui? Viens au moins faire la prostitution à Monaco. Rien. Elle tue les valises dans les métros et tout. Elle parle fort. Elle mande de bas. Mais mande de bas, vous dépasse vous 2. Ce qui est sûr, c'est ça. Sachez que toi, Kankam et l'autre là,
qu'on appelle la rate-rate et rampe-rampe qui rampe dans le noir. Alors, c'est que vous deux là, je vais vous combattre, vous deux. C'est Michel Archange. A dit combattant. Oui. Il y a une qui c'est une somme idiote que Dieu a dit que non. Toi, tu restes dans le noir toute ta vie. En t'a assis. Autant aussi dans le noir. Tu restes dans le noir toute ta vie. Regarde-toi. Malgré que c'est mon cousin, moi. Malgré que c'est mon cousin, elle est au moins. On la voit un peu, elle fait des petites vidéos avec sa famille et tout. Moi, on me voit, je me bats chaque temps. Tout le monde me voit. Mais quelqu'un maintenant est devenu. Quelqu'un est devenu maman. Elle est venue d'en haut. Elle est venue ça. Parce qu'il faut seulement que c'est elle qu'on voit. Et toi, tu es là. Une sale idiote. Une sale idiote comme toi, Loulou. Donc moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Je veux recevoir ma soeur qui est là. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. À demain. Le compte dessus. Insultez-moi bien. Mais partez avec vos insultes. Parce que quand je veux bien me réveiller là, je vais vous bloquer vous tous. Que je comprends ou pas. La folie. Anthony Abdel, ta cette chaîne de putain de mec qui est restée dans la folie là-bas en Afrique, tu n'es pas là chercher dans le sens de la folie là. Et l'animation là. Bon, je vous laisse. Restez commenter. La canne est très sucrée. Canne à sucrée. Déjà un pays que aucun chanteur, musicien, capitaine n'a chanté. Hein? C'est les Ivoiriens qu'on appelle ici là. Fallait pour venir chanter. Vous ne comprenez pas que le Cameroun a changé. Cameroun t'a changé même. Le jour de la CAN. Moi, ça va. J'arrête le direct. Ok, je vais arrêter le direct. Je veux parler, hein? Un pays que même la CAN, votre propre cas que vous organisez, aucun Camerounais ne chante. Et c'est moi qu'on va aimer là-bas. Voilà, voilà le Cameroun. Le Cameroun joue encore quand là. Au moins, si nous, on était, nous étions restés. Je suis un peu vampire, oui, j'accepte. Je vais vous sucer le sang cette nuit. Demain, je serai milliardaire. Bandit. Hein? Tout le monde. Bois, non? Mais il faut que tu t'assoies. Attends, je te donne le wifi. Ok. Que non, Lino. Qu'en parler pour vous là-bas. Attends, je cherche la wifi. Ouais, bon. Insultez-moi. Je vais vous dire mes vérités. Moi, je n'ai pas moi peur. La police, moi je marche au was, was, was. Les gens sont dans le noir depuis des années. Voilà. C'est un nom, c'est un nom. Ici. Mais pourquoi ça sonne comme ça?
Cana sucré. Chérie, ma cana sucré. Et je demande bien. Partez avant vous exprimer, je vais vous insulter. Les sales barbecues là. Les deux sales barbecues là. Le tout si on va arriver à la Cour de droit international. Parce que quand on a publié, quand on est nu, là où est, soit disant, baiser avec les chiens. On a pris les gros pénis des noms dans sa bouche ici. Ça n'a pas fait de buzz. Lui est fâché et écarté. Pas de buzz au Cameroun. Mais on même met aujourd'hui le nom sort des photos de moi nu. Elle va tirer le clitoris. Est-ce que c'est moi? J'ai mis à Facebook. Mais c'est mon corps. J'ai reconnu mon corps. Alors, je paye. Moi, je m'en fiche. Portez-moi plainte au Cameroun. J'arrive au Cameroun, on me porte plainte. On m'amène à Conakry. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va voir ça. Mais le loto, hein, tu vas rester dans le noir parce que je ne te lâcherai pas. J'ai tous les trucs ici. On insulte mes enfants. Mes enfants, ils ont vu mon clitoris parce que moi, mes enfants sont sortis de mon clitoris. Toi, t'as pas là. Donc, moi, je ne vais pas te laisser. Une fois qu'on ne peut pas faire confiance, ma foi, qui peut faire, on peut faire confiance à ma foi. On peut faire confiance à ma foi. Une fois qu'on ne peut pas faire confiance, confiance de quoi? Vous de confiance, c'est un côté, hein? Ah oui, ne faites pas confiance. Sale chienne, ma foi, c'est une sale chienne, une pourriture, une crevade. J'ai dit. Oui, elle utilise Ngosaka. Je t'aime, moi. De ce côté, je t'aime bien. Elle est tout ça pour se babiller pour vous satisfaire. C'est qui? Mouf! Portez ma plainte, dis donc. Hein? Regardez-moi, dis donc. Je vous laisse les porcs entre les porcs. Vous allez partager dans la boue. Dans la crasse des porcs. C'est tout le quoi avez-vous? Une jeune fille boule qui mange des pommes sans sel, qui mange du bio au sud, va parler avec une primitive comme vous. Vous deux là. Les primitifs, vous voulez la visibilité dans les réseaux sociaux, bande de porcs. La visibilité, c'est pour vous, vous voulez aller à la radio. Mais attends, allez chez quelqu'un, allez chez Conchelcam, allez chez les Bamileke, qui vous, les Bamileke qui ont des milliards, qui vous aident. Mais vous venez errer chez les quoi. Là, vous dites que un Bamileke vaut 100 quoi. C'est ça, non? Les Bamileke, toujours riches, très beau. Mais vous venez chez quoi chez nous? Nous sommes tous Camerounais, oui. Mais les Camerounais, c'est un côté. Chez les quoi? Non. Il y a la révolution de tout aussi. Vous partez signer. Congé Camé, où? Vous allez que je suis tribaliste? Débat, tu es tribaliste de ça? Pardon. Mieux, je suis un tribaliste. Parce que vous cassez. Les Bamileke cassent les ambassades ici. Vous cassez tout partout. Vous faites la honte partout. Mais vous ne voyez pas ça. Vous voyez deux pauvres blogueuses boulou. Quand je suis boulou et je revendique. C'est moi que vous voyez à Facebook. Vous venez m'installer à Facebook. Vous sautez mes photos à Facebook. Et je dois vous laisser. Je n'ai rien à foutre de vous. Ne m'aimez plus. Quand vous m'aidez trop, les Bamileke m'aident trop. Ne m'aidez plus. Regardez deux sortes de Bamileke comme ça qui courent derrière les télévisions. Mais voilà, je vous laisse. Sachez que j'ai deux ennemis. Quelqu'un et Lolo. Vous deux là, je ne vous vois même pas devant moi. Je ne vous vois pas. Vous êtes les méchantes femmes. Quelqu'un, toujours, elle veut tuer tout pour elle, rien pour les autres. Tu n'es rien. Je suis à conçu où? Ton immeuble est où? Depuis quand les barmiers n'exploitent pas la suite? La suite, qui n'a pas de boutique? Ta boutique est placée où? Une boutique, un truc que tu as déplacé. Maman, depuis quand une femme, elle dit que c'est sa maison, elle a deux chambres chez elle, les petits. On dirait une chambre d'hôtel. Tu viens parler à une femme, une jeune fille boule de sac là. J'ai construit ma maison. Six chambres. C'est comme un stade. Tout un stade. Il y a tout. Toi, tu as quoi? Elle vient dire. Et tu gardes ta voiture. Parce que là, je vois seulement les garçons. Hein. Le garçon synthétique là, que tu arroses tous les jours là.
J'ai dit que vous et moi, c'est une place. La toile camerounaise ne peut pas mourir. C'est vous que vous voyez. Soit vous partez à Yopougon, soit vous restez chez les Camerounais. Mais moi, je vais animer la toile chaque temps et je vais vous dire ce que je pense. Oh! Appelez, on prend mes comptes. Vous allez me pleurer. Vous allez me chercher. Parce que je vous dis ce que vous ne voulez pas entendre. Je vous fais voir ce que vous ne voulez pas voir. Vous appelez la tâche de Monaco, tout le monde l'appelle. Chasse la veuve, chasse la veuve. On vous a dit que je suis venu chercher quoi des milliardaires ici. Ça m'a fait plaisir de venir rester chez Natacha. Après, je m'en vais partout, partout, partout. Là, on m'a invité. Je vais m'arrêter partout, partout. Je vais te rendre dans mon bungalow. Et fais ma musique. Je danse là-bas. Je suis dehors. Hein? Je suis dehors. Hein? Parce que prends les clés de mon bungalow. Les clés. Les clés sont là. Ok. C'est pas vous aimez écrire aujourd'hui. Oui. Les sacs, je cherche l'écrire du bungalow. Vous savez comment on commence à partir là. Je cherche l'écrire du bungalow. C'est une n'importe quoi. Tu n'importe quoi. Les gens qui sont là, qui sont arrivés ici en France, je ne sais pas où. Ok. Les clés du bungalow, notre clé. Crac, crac, crac. Oui, au moins. Je suis ici, on me reçoit. Mince, tu as faim. Viens à manger là. Je rentre chez moi. Même mes pauvres gens avec qui j'avais confiance, vous appelez, vous êtes mon accord derrière. Valérie est là. Elle peut lui dire quoi? Que c'est mauvaise. Moins, mieux vaut les gens comme moi que les gens qui font les miels comme ça. Parce que le miel est toujours très mauvais. Mieux vaut comme moi. C'est une femme très classe. Qui est le moins. Ouais, les femmes qu'on doit interviewer dans les télévisions. Natacha de Monaco doit être interviewée. Que ton business, c'est quoi que tu fais? C'est une immobilière. Vous, vous avez quoi? Les gens, ça que vous vendez. Ça vous dépasse. Les gélules que vous payez. Quelle gélule? Une personne qui passe 5 jours sans manger, qui mange que le lait, les nido. Les gens font jamais les nido comme ça. Les nido, elle mange les nido. Pour maigrir. Elle boit le Coca-Cola. Quand j'avais commencé à maigrir, là, elle me dit, dis que c'est les gélules de Clarisse qui te fait maigrir. J'ai dit que jamais. Parce qu'elle fait 5 jours sans dormir. Elle ne dort jamais la nuit. Elle dort que le jour. Elle passe son temps à WhatsApp avec les gens au téléphone. Moi, je mange. Et regarde-toi. Je me suis levé pour toi. Acheter des coca, acheter ceci, acheter ceci. Il fallait filmer une fois ma pauvre maison, non? Tu les mets à Facebook. Et moi, je t'ai ouvert ma porte. Je connais ta maison, je connais ta porte. Oui. Mais aujourd'hui, tout le monde vous me fait passer pour une idiote. Mais vous n'allez pas. Je ne vous laisserai pas cette occasion. J'ai mon bon galop. Moi, j'ai été au pays. J'ai été au pays. J'ai fait ma part de part là-bas. Toi, tu as fait quoi? Rien. Je suis une poubelle. Je suis comme une poubelle, comme ta sage chienne de mer. Les bamiers, que sont toutes les poubelles? Comme un camé époux là. Pas tous les bamiléqués, excusez-moi. Pas tous les bamiléqués. Il y a deux bamiléqués ici, ceux-là. Les deux poubelles bamiléqués qu'on appelle Fleur de Lille Fleur de Lille et l'autre sont les poubelles, les maniocs, les salettes, les crevades. Vous deux là, moi je vais vous combattre tout seul. Je ne veux pas que quelqu'un vienne combattre avec moi. Parce que moi j'aime mes combats seuls. Donc Fleur de Lille, tu entends, je combats, je veux te combattre avec ta chaîne de ce qu'on appelle l'eau. Et te combat. Elle, parce que ce que tu fais n'est pas bien. Tu l'appuies. Et je remercie Frère Delis. Tu la connais où? Regarde-toi. Une sale idiote comme toi, Lolo. Hein? Mais arrête mon Dieu. Excusez-moi. Mon compte est ouvert. Les gens qui veulent
bloquer mon compte, allez-y, prenez-le, je n'ai rien à foutre. Ma vie, ce n'est pas les réseaux sociaux. Et j'en ai même marre de faire des vidéos à la con chaque temps. Mais je partirai avec la tête haute. Votre général. Warus. Je suis votre général Warus. Que je sois encore là ou pas. Sachez que, réécoutez encore bien mes vidéos. Il y a une manipulation ici à Facebook. Et la seule personne qui veut gouverner, qui veut le gouverner, ce sont les deux sorcières Bamileke là, qui vont écraser les autres. Et la seule personne qui les contrecarre, c'est la Veuve Joyeuse. Votre général Warus, je ne vous laisserai pas abattre, pas vous. Regardez-vous, depuis des années que vous êtes à Facebook. Depuis des années que vous êtes à Facebook, des années, on ne vous voit même pas. Vous avez fait quoi? Quoi de concret? Vous accrochez parce que c'est la canne pour vous faire voir comme les certaines touches des réseaux sociaux. Et les gens sont dans vos regards, on vous applaudit, vous avez raison. Mais vous n'aurez jamais raison devant moi. Jamais. Et je veux toujours vous piétiner, vous mépriser. Parce que c'est moi, c'est mon rôle. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Je suis une femme boulot. Et je me bats. Je ne veux pas vendre mon zout. Mais je veux commencer à vendre mon zout. Mieux. Ça va aller pour eux sur là-bas pour qui? Je laisse mon zout comme ça par rapport à quoi? Je dois vendre mon zout. En tout cas, merci à tous. Merci à toi, ma mère. J'achète mon accord pour tout. Je te remercie. Que Dieu te bénisse. Attendez. Alors maintenant, vous avez le libre choix. Prenez ce compte, j'en ai rien à foutre. Ça me fera même des vacances. Prenez ce compte si vous voulez. Hein? Allah. Et là, Allah va nous juger un jour. Vous comprenez? Bonne soirée à vous.